Good morning. Allez, Idan et Tutor, aujourd'hui, le Nishman, Mourir, Vishmoel, Ben Shlomo, Zalman, Nissim, Ben Ahuda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Richard, Batrim, Nechemia, ainsi que leur fat, Avram, Mourir, Ben Rehoud, Betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez la sécurité éternelle. Nous étudions la Sechet, Zvachim, Perikret, Mishnah, Yodalef. Hanitanim, Bifnim, Shinit, Arvu, Imanitanim, Bachutz. Ishafru, La Ama. Nathan, Bachutz, Vechazar, Nathan, Bifnim, Kacher. Bifnim, Vechazar, Nathan, Bachutz. Rabbi Akiva posel, vachachamim machshirim. Shaya Rabbi Akiva omer, kol adamim shenichnesu lechaper vayechal pasul, vachachamim omrim chatat bilvad. Rabbi Eliezer omer, af ha'asham shenemar kachatat ka'asham. Bon, pour comprendre cette Misha, il faut introduire deux choses. Tout d'abord, rappeler qu'il y a des korbanot que l'on doit asperger le sang sur le Mizbeach Hachitson, et des korbanot où il faut asperger son sang dans le Echal, qu'il s'agisse du Mizbeach Hazav, sur la Parochet, ou même dans le Kodesh HaKodeshim. Concrètement, très rapidement, très brièvement, vous vous rappelez, lorsqu'on arrive au Beit HaMikdash, on avance en direction de l'ouest, et on commence, il y a plusieurs escaliers, on commence à entrer dans la Ezrat Nashim, après on arrive dans la Ezrat Israël, Ezrat HaKohanim, on est encore dans un endroit aéré, il y a là-bas le grand Mizbeach, ce qu'on appelle le Mizbeach Aola, qui est dans la cour, 10 amot de haut, l'équivalent de 5 mètres, ouais, 4 mètres 80 ou 6 mètres selon le Chazonish, et une largeur de 32 amas multipliée, ouais, ça fait l'équivalent de 15 mètres, d'accord, ouais, c'est 15 mètres exactement, de un gros pavé, quoi, presque un vrai binyan, quoi, enfin un immeuble entier presque. Et vous avez donc un gros carré comme ça de 32 amas sur 32 amas, avec donc une hauteur de 10 amas. Et derrière, on a le Hechal. On commence à entrer dans un endroit couvert. Le Hechal, il est composé de... D'abord, on commence à entrer dans le Oulam, le hall d'entrée. Après, on commence à entrer dans le Hechal, où se trouve concrètement maintenant, on a le Mizbeach Hazav, l'autel d'or, en or, sur lequel on faisait la Ktoret, l'encens. Il était tout petit, il faisait une amas sur une amas, qui va de 60 cm ou 548 cm sur 48 cm, petit. Et ensuite, on avait donc la basse, le Julchan et la menorah, la table où il y avait les 12 pains de la voda du Shabbat, et la menorah se trouvait. Et puis ensuite, on avait une parochet, un rideau, pour ensuite entrer dans le Kodesh HaKodeshim, où se trouvait là-bas le Aaron Abrit, le Aaron avec les kruvim, les chérubins. Et d'accord ? Voilà pour la structure. Maintenant, il y a des korbanot où la plupart des korbanot on le fait sur le Mizbeach Hachitson, le Mizbeach qui se trouve dans la cour aérée, le gros Mizbeach. La plupart des korbanot, il y a quelques korbanot solennels où il faut prendre le sang et le faire entrer dans le Echal. Et dans le Echal, il va falloir l'asperger là-bas, soit sur le Mizbeach Hazav, soit parfois sur la Parochet et à Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Entre les badim du Aaron Abrit, d'accord, entre les manches du Aaron. Voilà pour le rappel général. Donc des korbanot à faire bifni à l'intérieur du Echal et des korbanot à l'extérieur. Maintenant, le sujet de notre Mishnah va être s'il y a eu du sang d'un khatat qui devait être aspergé à l'extérieur, qui s'est mélangé avec du sang d'un khatat qui devait être aspergé à l'intérieur, que faire? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on asperge dans les deux endroits? Commencer par l'extérieur, puis ensuite entrer à l'intérieur? Au contraire, commencer par l'intérieur et après finir à l'extérieur? C'est là le sujet de notre Mishnah. Comment procéder? Je vous lis déjà, allez. Comme ça, on commence à lire la Mishnah, que ça ne fait pas trop d'introduction. Mais il y a un point essentiel, en fait, à introduire. Bon, on commence déjà par traduire. Anitanim bifnim shenitarvu im anitanim bachutz ishafru lama. Lorsqu'on a du sang de korbanot qui devait être fait bifnim à l'intérieur, donc sur le descend d'une khatat pnimit par exemple, un khatat qu'on devait asperger le sang sur le Mizbeach Hazav dans le Echal, qui s'est mélangé avec un korban qui devait être aspergé à l'extérieur du Echal, d'accord. Et bien la Mishnah m'enseigne ishafru la hama. Il n'y a rien à faire, tu es bloqué avec ce sang, tu ne peux rien en faire, ni l'asperger dehors, ni l'asperger dedans. Quoi que tu fasses, tu auras un problème, on va expliquer bien sûr c'est quoi le problème. Tandis que, malgré tout, si a posteriori, Nathan Bachutz, Bechazar et Nathan Bifnim, Kacher,
Si le Cohen, ça lui a pris malgré tout, il s'est trompé de halakha, peu importe, il a pris le sang, il a commencé à l'asperger dehors, sur le korban, sur le misbah hachitzon, et puis ensuite il est entré à l'intérieur du Echal, et là-bas il a aspergé de nouveau. Alors la Mishnah m'enseigne que le korban, il est kasher. À la différence du cas où Bifnim vechazar venatan machutz, où il a aspergé, il a commencé, plutôt il a pris le sang, il a commencé à asperger à l'intérieur dans le Echal, et seulement après il est sorti sur le misbah hachitzon. Alors là, cette fois-ci, Rabbi Akiva possède, Rabbi Akiva va invalider le korban, tandis que Chachamim vont le permettre, Chachamim Marcherin, selon des critères bien particuliers, comme ce que l'on va expliquer tout de suite. Mais avant ça, on a besoin de tout de suite sortir le fromage de Vaïkra pour rapporter un point, le point essentiel en fait, duquel, autour duquel va tourner la Mishnah, le sujet de notre Mishnah en fait, Yudalef, et même la prochaine Mishnah, Yudbet, si je ne me trompe pas. Non, ça ne va plus être ça. Oui, en partie. J'ouvre là, je suis dans Vaïkra, Perek Vav, Pasuk Chaf Gimel. On est dans Parashat Tzav. Parashat Vaïkra, c'est la présentation de tous les korbanot. Parashat Tzav, c'est le complément de toutes sortes de halachot. On va parler de la smicha, on va parler de plusieurs, le pigoul, ça se trouve en l'occurrence dans Tzav. Et là, on a un pasuk qui nous dit Vikol Chatat, Asher Yuva Midama, El O El Moed, El Chaper Bakodesh, Lo Teachel, Ba'esh Tisaref. La Torah me dit explicitement, Kol Chatat, tout korban Chatat, Chatat Chitzon, Asher Yuva Midama, duquel vous allez, va être apporté son sang, El Ohel Moed, dans le Ohel Moed, dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans le Echal, Le Chaper Bakodesh, pour l'asperger dans le Kodesh, dans le Echal, Lo Teachel, cette Chatat ne pourra plus être consommée, Ba'esh Tisaref, il faudra la brûler. Ok, qu'est-ce qu'on a appris de ce pasouk? C'est très simple. On a appris que un korban khatat, il doit être aspergé dehors, sur le misbah harisol. Si toutefois tu as pris son sang, tu l'as fait entrer à l'intérieur du echal, et bien sache que tu as rendu invalidé tout le korban khatat, c'est fini. Le sang, parce qu'il est entré dans l'intérieur du echal, tu ne pourras plus rendre ce korban khatat apte à être consommé. C'est-à-dire, même si finalement tu vas ressortir dehors et tu vas asperger le sang sur le misbéach, eh ben tu ne vas plus t'acquitter, tu ne vas plus pouvoir permettre le khatat à la consommation. On apportera des amples détails, Bezrat Hashem, dans la prochaine Mishnah, de définir précisément quelles conditions, parce que c'est difficile de rentrer dedans, parce qu'il faut rentrer dedans et asperger. Il y aura comme ça toutes sortes de discussions qu'on verra dans Mishnah, une bête de Bezrat Hashem. Pour le moment, pour notre propos, on a juste appris quelque chose de très important. Si je fais entrer du sang de khatat dans le Echal, et que je l'asperge, d'accord, parlons large, eh ben, j'ai invalidé à la consommation ce korban khatat. Parce que j'ai transgressé l'interdit de faire entrer du sang du khatat dans le Echal. Un khatat ritson, il ne peut pas entrer dans le Echal. Il y a marqué dans le pasouk khatat. Qu'en est-il des autres korbanot? Trois avis sur la question. Rabbi Eliezer, par juxtaposition, ka khatat ka hacham, il va nous dire, ben, même le hacham, c'est le même principe. Et Rabbi Akiva, il va nous dire, il a une manière de déduire beaucoup plus large, en disant que tous les korbanot, en réalité, parce qu'il a parlé de khatat, mais il en va de même pour tous les autres korbanot, tout korban que tu as fait entrer à l'intérieur du Echal, tu l'as rendu invalide. C'est clair? Maintenant, d'après Chachamim, non. D'après Chachamim, c'est que le khatat. D'accord? Ça marche en escalier. Donc Chachamim, que le khatat, Rabbi Eliezer, même le Hacham, et Rabbi Akiva, tous les korbanot qui entrent dans le Echal, tu as rendu le sang invalide. C'est le point essentiel maintenant pour comprendre le principe de notre Mishnah. Lorsque j'ai mélangé du sang d'un khatat chitzon avec un khatat pnimi, je les ai mélangés les deux, là je suis bloqué. Qu'est-ce que je peux faire avec ce mélange? Même si on va dire, Rohim, on va considérer que tu asperges comme de l'eau par exemple, il y a un problème technique. Le sang du khatat ne peut pas entrer dans le Kodesh HaKodeshim, sinon je vais invalider le korban. Donc en théorie, par rapport au khatat pnimi, au khatat chitzon, je dois nécessairement l'asperger d'abord dans le misbeach chitzon. Et seulement après, je pourrais entrer en théorie asperger à l'intérieur. Seulement, j'ai un autre problème. Un problème de priorité cette fois-ci. D'abord, on fait les choses importantes, après on fait les choses moins importantes. Or, un korban dont le sang doit entrer dans le Echal pour être aspergé, c'est un korban super important. Et tu ne vas pas commencer à faire un korban khatat ritson avant de faire un khatat pnimi.
C'est-à-dire là, on a un problème technique maintenant. On a les deux sangs qui sont mélangés. On a les deux sangs qui sont mélangés. Le khatat chitson, le khatat externe et le khatat interne, qu'on doit faire à l'intérieur du khan. Et l'ordre de priorité me dit intérieur avant extérieur. Mais le problème, il est que si je fais entrer ça à l'intérieur, j'invalide le sang, le corban et l'extérieur. Je suis bloqué en... A priori, ben, on a une autre solution. Mets tout de côté, laisse tout, laisse passer la journée jusqu'à que le sang va être invalide, jette-le dans la hama et apportez demain d'autres corbanotes, en malasot, il n'y a rien à faire, vous avez fait des bêtises, qu'est-ce qu'on peut faire? Tant qu'on peut réparer, on va réparer, on ne va pas dire de fonctionner a posteriori. Donc tu dois faire ça. D'accord? C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, si toutefois le Kohen s'est trompé, il a commencé à asperger à l'extérieur, donc cette fois-ci il n'a pas invalidé le khatat pnimi, le khatat chitson, il asperge à l'extérieur, après il est entré à l'intérieur, a posteriori il s'est acquitté, il n'a pas respecté la priorité, ça arrive, qu'est-ce qu'on va lui faire? D'accord? Des fois on passe et puis ouais, on ne respecte pas la priorité, s'il n'y a pas eu d'accident, ben, a posteriori tu t'en es sorti, c'était pas bien, mais tant pis. Par contre, s'il a fait le contraire, il a commencé à asperger à l'intérieur, et après, il veut sortir à l'extérieur, là c'est fini. Si c'est un korban khatat, il est invalide d'après tous les avis. La discussion de notre Mishnah, maintenant, va être de nous dire qu'en réalité, c'était pas un khatat. Si c'était pas un khatat, c'est un autre korban. Alors là, Chachamim vont nous dire, écoute, a priori, pour ne pas s'embrouiller entre les khataot, entre le khatat et les non-khatat, rien du tout. Dès que ça se mélange, tu fais plus entrer à l'intérieur, tu fais pas entrer à l'extérieur, tu jettes dans la, tu verses dans la... dans le petit ruisseau qui passait là-bas, dans le Beth Amikdash, tu verses là-bas et tu rapporteras demain. Ça, c'est a priori. Mais a posteriori, si c'était pas un khatat, eh ben, puisque tu as fait rentrer le korban khatat, ça marche. Et puisque tu as commencé d'abord à asperger à l'extérieur, même si tu as d'abord fait entrer le sang à l'intérieur, tu l'as aspergé à l'intérieur et seulement après à l'extérieur, a posteriori, tu t'es acquitté. Parce qu'en réalité, même avec tous les korbanot, tu pouvais procéder de la sorte. Par exemple, si j'ai eu un korban Ola qui s'est mélangé avec un khatat pnimit, qu'est-ce que je fais? En théorie, je pouvais amplement asperger à l'intérieur et puis ensuite sortir à l'extérieur et faire la Ola. Mon problème, il est que tu vas commencer à t'embrouiller entre la Ola et les khatat, donc on t'a dit, allez, tu fais rien du tout. Mais tu fais rien du tout, tu laisses, tu verses le sang dans la main et tu apporteras demain. A posteriori, si c'est ce que tu as, si tu as procédé de la sorte, t'es parti d'abord asperger à l'intérieur, puis ensuite à l'extérieur, puisque c'était qu'une Ola, c'est encore kasher. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Eliezer va nous dire, oh, ça dépend. Si c'est une Ola, t'as raison. Si c'est un Sham, t'as tort. Rabbi Akiva va nous dire, que ce soit un Khatat, un Sham, ou une Ola, ou un Shlamim, ou ce que vous voulez, eh ben, dès que le sang est entré à l'intérieur, il a invalidé le Korban qui devait être fait à l'extérieur. C'est clair, vous avez compris le principe? On refait tout ça dans les mots Bezrat Hashem, regardez. Anitanim bifnim, vous avez le long Barthénora, il explique très bien le sujet. Anitanim, on va pas le faire, ouais, mais si vous savez lire et traduire, bah c'est bien, faites-le. Anitanim bifnim shinitaru im anitanim bachutz. Donc, des sangs qui devaient être aspergés à l'intérieur, qui se sont mélangés avec des sangs qui devaient être aspergés à l'extérieur, sur le Mizbeach HaKitson. A priori, ishafru l'ama, d'après tous les avis, tu les verseras dans la hama. Dans le petit ruisseau qui passe dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire en réalité t'attends la tombée de la nuit, comme ça le sang il a été invalidé de toute façon, et là dans ce cas-là tu pourras le verser dans le ruisseau. Et même Rabbi Eliezer il est d'accord, cette fois-ci on dira plus ruine. Maintenant, Nathan Bachutz, si toutefois le Kohen s'est trompé, il a commencé d'abord à Nathan Bachutz, il a commencé à donner dehors, donc sur le Mizbeach HaChitson, il a d'abord aspergé sur le Mizbeach HaChitson, et ensuite, Chazar et Nathan Bifnim, et ensuite, il a continué à verser sur le Korban, sur le Mizbeach à l'intérieur. Il a commencé à l'extérieur, et puis ensuite, il entre à l'intérieur. Alors, a posteriori, le Korban sera Kacher. Ils sont tous les deux Kacher. Ok? Les deux Korbanot, on s'est acquitté du devoir. Ok. Ça marche. Ensuite, s'il a fait le contraire, Bifnim vechazar venatan bachutz. Il a commencé d'abord à asperger à l'intérieur, et puis seulement après il est passé à l'extérieur, dans la mesure où c'était un autre korban, c'était pas un khatat et c'était même pas un sham. Alors, Rabbi Akiva possède, Rabbi Akiva va invalider le korban parce que tu as fait entrer le sang d'un korban à l'intérieur du Echal, tandis que Vechachamim marchirin, Chachamim vont valider malgré tout le korbanot, comme il nous dit le Bartanura, Bechol korbanot chutz mi khatat achitzona.
à condition que le mélange était avec n'importe quel autre korban à l'extérieur, à l'exception d'un khatat ritson. Pourquoi? D'où provient cette discussion? Shaya Rabbi Akiva Omer, car Rabbi Akiva disait Kol adamim shenichnesu lechaper ba'echal, tous les sangs de korbanot qui sont entrés à l'intérieur du echal pour être aspergés, pasoul, ça invalide le korban. Vachachamim omrim khatat bilvad. Chachamim nous disent non, que le korban khatat devient invalide, se fait invalider de la sorte, mais pas les autres korbanot, parce que le pasoul qui nous disait mais kol khatat hashariova midama, et la kodesh. Alors, tout khatat qui est entré à l'intérieur du kodesh, il est devenu invalide. Baishtisaref. Mais pas les autres korbanot. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit lui Af ha-hasham, même le hasham. Aussi, pourquoi? Shenemar kachatat kahasham, car il y a un pasouk dans le perek suivant qui nous dit kachatat kahasham, comme le khatat sera le hasham, il est juxtapose. C'est le même Rabbi Eliezer qu'on a revu plusieurs fois, que chaque fois qu'il va y avoir un statut particulier pour le khatat, il va nous dire la même chose pour le hasham, en l'occurrence, quand les Zachim finissent pour chez le Lishman. Et qu'on avait appris que pour le khatat c'est pas soul, le Rabbi Eliezer disait là-bas Hacham, on l'a revu plusieurs fois, d'accord? Le Rabbi Eliezer juxtapose constamment le khatat et le Hacham. Et j'espère que j'ai été assez clair, Bezat Hachem, je vous souhaite une journée pleine, de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.